Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Wars. On est toujours en live, on continue notre petit live, la demande générale du chat, et on venait de commencer une nouvelle journée, on avait plein de leçons, plus plein de leçons qui arrivent. Ce qui est cool, c'est qu'elles vont potentiellement nous générer des souvenirs, donc je vais peut-être attendre un peu, enfin quoi que, il va encore falloir 60 secondes pour celle-là. Celle-là, elle va terminer en 40 secondes, on a la première ligne là. Ouais, donc je vais peut-être pas non plus trop attendre. Est-ce qu'on fait des salles aujourd'hui? On va aller voir qui est à la taverne. On va mettre un chapt de niveau 1, voilà, avec de quoi payer un petit verre à la ronde. Et on va voir qui y a à la taverne. C'est de trouver quelqu'un avec du nectar, j'aimerais bien. Ou éventuellement du rose ou du moon. Et du coup, on va avancer sur nos leçons. Il va nous rester un, peut-être deux jours avant la saison suivante. Donc, on va pas trop traîner. Regardons ce qu'il nous faut. Alors, on pourrait avancer sur ça. Résurgence en émergence. On peut le faire monter de deux niveaux. Il est niveau 3, donc il nous faut 3 souvenirs. On en a dans le lit. Non, on n'a pas dans le lit. Donc 3 souvenirs de type Moss and Grail. Donc déjà il y a le Impulse, c'est le seul Moss qu'on a je crois. Donc on va faire le Impulse. On a besoin de quoi? Là on aurait besoin de Forge éventuellement. On va se concentrer sur ces deux leçons là pour aujourd'hui. Donc on n'aura pas besoin du Metal. Donc ça fait 1. On a dit Grail et Moss. Là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Grail et Moss. Et non, non. Oula. Non plus, non plus. Là, on a du Grail. On va le prendre. On en a peut-être pas tant, hein, du Grail. Hein. On peut mettre un Else, là. Ouais, allons-y pour un Else. Moon et Rose. Et là, on a un Grail avec Gossip. Ok, très bien. On a au moins 3. On va regarder si on en a 4, du coup. Parce que c'est pas sûr qu'on puisse aller très loin. On a le Gossip. Ok, on en a 4. On a un Satisfaction ici, donc on en a 4. Donc on peut monter au niveau 4. Parfait. Bah du coup, on va commencer à faire le Satisfaction. Il va nous servir pour la fois d'après. On va le lire, donc il nous faut du Moss et du Grail, donc on va pas utiliser nos Srists. Et là il faut du Lanterne, on peut utiliser ça, c'est du Grail ça, mais on a Moss, Lanterne, Grail, on aurait 100 Grail, 2 Srists, un Fet, 2 Wisps plus le Faust, oui ça va le faire. C'est parti, donc déjà celui-là c'est bon. Maintenant, lui, il nous faudra du Moss et il nous faut 3 souvenirs de type lanterne. 1. Un, 2. À 3 avec celui-là, donc on peut faire le niveau, mais après on est coincé, on pourra pas aller plus loin. Ouais, il va falloir qu'on fasse, comme dit Chobiti, qu'on génère une vue. Il faudra qu'on génère une vue pour le suivant. Du coup, on va le faire tout de suite. Hop, on va prendre toi. Alors, il nous faut les chaptes. Les chaptes vont pas nous servir pour cette fois. Non. Et il faut qu'on génère les lanternes. Alors après, il va falloir qu'on repose des trucs. Hein. Donc c'est parti. Lanterne. Là, on a un lanterne. Ce bureau-là est occupé. Celui-là aussi. On va aller à ce bureau-là. On peut lire avec un chapt. Parfait. Ensuite, il nous faut le Revelation, mais on le fera après. Il y en a un autre, là. Normalement, il y en a un autre de type lanterne.
Le gourpa. Voilà, c'est lui. C'est celui-là. Hop, donc là ça travaille. Là-haut, ça travaille. Il reste ce bureau-là. Tac. Il rapporte quoi déjà les souvenirs que tu as mis encore au-dessus? Ceux qui ont un evolve. C'est les Omen. Ils ont un evolve, mais surtout c'est ceux qui sont de type Omen. Alors je sais pas encore exactement ce que ça fait le type Omen, mais de ce que je pense. Ça fait partie du fait qu'on va pouvoir crafter des histories pour notre journal. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100%. Ce qu'on a mis dans la. Là, ceux-là, tu parles. Ce qu'on a mis dans le labo. Eux, ils donnent Earthsink et un Omen. Donc. Ah oui, après, si tu parlais des types, non, c'est Nectar et Scale pour l'instant, donc ils nous intéressent pas. Par le Scale, remarque, non, de toute façon, c'est le 4 de la tortue qu'on a besoin globalement. Bon, là, on a rempli tous les bureaux, donc tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Et refais le sac, j'avais pas vu, excuse-moi. Et on a du Skywinter, ce qui nous sert à rien, mais cela dit, Winter 3. 13, ouais, 13 ça pique, 12. 13, 13, alors attendez, 13, réfléchissons. Winter, il commence avec 2, hein, notre ami. Winter, il a 2. 2 plus 3, 5. Plus 4 de préparation de Solomon, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. Et on a bien un petit truc de bouffe à la con qui fait du. Voilà, genre des patates par exemple. Ok, on va aller chercher Coco là. On va aller chercher Coco, on a une opportunité pour lui. C'est parti, on prend. Et le couteau, exactement. Et salut Brodaf, bienvenue sur le live. T'étais pas en live? Juste avant? J'espère que ça s'est bien passé ton premier live hein, sur ta chaîne. T'es sur. Tu continues à Rimworld peut-être? Tu remarqueras que je me suis abonné. Alors, on va tout de suite mettre lui à reposer. Vu que c'est le premier de la journée, on va avoir besoin de se reposer, donc c'est parti. Captain of Industry. Ah, je savais pas que tu faisais ça, tiens. Alors, toi, tu vas discuter avec ça, comme ça se sera fait. Hop. Alors, on a généré notre site. Ça, c'est fait. Ça oublie de faire un raid, c'est pas si on peut avant d'être affilié. Bonne question, je pense que si, tu peux. Je pense que tu peux faire des raids. Après, c'est plus simple si tu suis les chaînes et tout. Je sais que moi, je me suis abonné à ta chaîne direct là tout à l'heure quand t'as fait l'annonce, comme ça je sais que je pourrais la raider facilement. Mais je sais pas si tu peux raider quand t'es pas affilié. Excellente question, honnêtement. Ah, t'avais perdu ton compte Twitch? Ah, je savais pas ça par contre. Qu'est-ce qui s'est passé, Brodaf? Je pensais que tu avais créé un nouveau compte ou renommé pour être pour avoir matché avec ta chaîne, mais. C'était quoi? C'était Brodinator du coup que t'as perdu? Alors, on a lu Lettre à mon successeur. Alors, est-ce qu'il lui explique comment éventrer des gens? Quand j'étais quelqu'un d'autre. Ah, ça commence bien. J'ai fait quelque chose de stupide. Quoi? Un pari, Wedger, un pari, ouais. Pour résoudre cette énigme. Je n'avais pas réalisé que les énigmes would be said by me for the own. Ah, je n'avais pas réalisé que les énigmes seraient créées par moi pour celui que je voudrais devenir. Si c'était résolu, la septième serait ma fin. Je
J'attends maintenant dans le cellier de Gaol, où les colleurs continuent de croire que je veux rester confiné. Mais la première énigme m'a dit que je ne verrai pas le second lever de soleil. Waouh, putain. Ah d'accord, Brulinator, c'était encore un autre du coup. Ok, c'était pas ton compte d'origine. Et du coup, ça nous génère un révélation qui est de type lanterne qu'on est en train de créer. Donc, on va peut-être pouvoir se lancer avant. Ouais, on va l'avoir en double, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, c'est lettre à mon successeur. Faut que je l'écrive en anglais, sinon je vais pas retrouver. Letters to my successor. Mon esprit qui traduit en même temps que j'écris, c'est un peu compliqué. Révélation. Donc c'est Lanterne 2. Voilà. Le gars est son propre successeur. Ouais, c'est un peu ça, oh la vache, le 4. On a 4 leçons là. Oui, je sais, on me l'avait dit, j'avais prévu, mais j'avoue, ça chiffre. Après, c'est bien, on va pouvoir avoir des gros gros niveaux. Hein. En plus, si on l'a attune déjà, une coffre Revelation. Du coup, est-ce qu'on peut éventuellement l'utiliser avant que on ait celui-là de générer? Non, hein, dans tous les cas, là, il nous en faut 4 des souvenirs. Donc on est coincé, on va avoir un révélation en double. Il s'est réincarné? Bah non, pas vraiment. Enfin, je sais pas, c'est pas clair. C'est jamais clair. De toute façon, c'est jamais clair. Oula, j'ai foutu. Il s'est fait arnaquer, semblerait-il, par l'heure avec lequel. Ah oui, parce qu'il y a eu un live. Avec l'heure avec laquelle il a passé son contrat. Ce qui fait que du coup. Il devait résoudre cette énigme, mais les sept énigmes étaient pour celui qu'il serait, un truc du genre. Bref, c'est assez bizarre. Ah, ici on a un musicien. Les musiciens, ils sont de type nectar. Ça, c'est cool, ça. Viens là, mec, on va t'embaucher. Ou amnésique, schizophrène, ouais, ou c'est Doctor Who, possible aussi. On a tellement de possibilités, malheureusement. Du coup, nectar, nectar, nectar. On a deux en nectar. On peut faire un souvenir à deux de nectar. Il va avoir quatre le mec. On a l'outil à deux de nectar. Donc on sera à 8, 10. On peut avoir un 10 en nectar assez facilement. Donc on va profiter que le musicien soit dans le coin. C'est aussi une opportunité. On va avancer nos leçons comme prévu au maximum, mais on va profiter de cette opportunité du coup. Alors est-ce que. Là, j'ai pas généré de révélation. Donc est-ce que du coup, je pourrais pas. Faire celui-là. Tac, tac. Tac. Une leçon. Un effort de type Sky Lantern, parfait. Un autre à qui on va montrer notre beau couteau. Ouais, on dit, regarde, viens chez moi dans ma maison. Il y a un escalier là, il y a un sous-sol et tu verras, j'ai un super beau couteau en bronze. 2000 ans d'âge. Si, si, fais-moi confiance. Tout va bien se passer. Hop là. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a appris? Une introduction à l'histoire. Le prologue prévient. De la longueur des iniquités de Julien Causelet, un autre collègue, que maintenant Erso décrit comme un ver entre les vers. Ok, bon, d'accord. Donc il a une intro, il taille ses potes. Et Erso identifie le sang, l'argent, le design et les vers comme l'axe central de chacune des histoires. Et claim que la soi-disant seconde history est la vraie. Et donc la seconde history, c'est celle qu'on cherche pour notre bouquin là. Alors du coup. Blood, Silver, Design and the Worms.
Ouais, on les a tous. Bah ouais, mais c'était pareil, hein, c'est un Mastery 4, donc c'est même pas sûr qu'il aurait pu nous servir pour les verres. Et salut Ardarine! T'arrives et le mot argent est prononcé. C'est un mot qu'on prononce beaucoup dans ce jeu. Argent. Enfin, thune plus précisément. Et Chobiti, elle est en bas et elle hurle de l'autre bout de la maison, donc vous l'entendez pas, mais. J'espère que tu vas bien, Arda. Bon, ce livre-là a l'air moins bizarre que la moyenne des livres, c'est déjà pas mal. Stories. Et donc il donne un insight. Et insight, c'est un scale et un winter 2. Scale winter 2. Il est que 4, ouais, c'est peut-être pour ça que c'est un bébé livre. C'est comme le livre sur les abeilles ou la chasse, c'est du 4 ou du 6. C'est un peu moins. What the fuck? Alors, Insight, je crois qu'il était dans le coin, non? Voilà, il est là, Insight, on va remplir l'étagère. Tu sors de tournage, t'en peux plus. Ah, City Skyline, tu suis les conseils des viewers, j'espère. Non, ça va chier. Du coup, ça nous a généré un insight qui nous sert à rien dans le contexte. Et une super leçon sur Snow Story. Alors, franchement, pour une fois, j'ai envie de l'utiliser pour monter autre chose, quoi. Parce que franchement, Snow Stories. Ça va pas être intéressant, je sens. Les conseils des viewers, Arda. Voilà. Alors, on va. Donc, toi, du coup, t'es passé level 8. On va te filer la préparation de Salomon. Tac. Et on va aller reposer. Pour toi, il faudrait du nectar. Donc, on va aller reposer un else. On en aura besoin. Hop. Hop. Ça c'est parti. Ici on est bientôt terminé. Donc on a fait notre niveau de Ink of Revelation. On peut faire résurgence en machin truc. Hop. Donc là il nous faut Moss. Tac, tac, tac. C'est parti. Donc on a cramé Satisfaction, Impulse et Beguiling Melody. Donc il nous faut un Satisfaction, un Impulse et un Beguiling Melody. Sachant qu'il faut qu'on garde un Moss, donc on va garder Fate, on va dire avec Srist. Impulse il est au-dessus. Ici on peut lire avec quoi? Avec rien. Et ici, on peut lire avec Ereb, qui est un Grail. Mais on a gardé Fed, donc c'est bon. Avec Chor qui est de type Grail aussi, donc on va cramer le Ereb. Il nous écoute jamais, mais en vrai, il en a pas besoin. Oui, c'est vrai qu'il se débrouille plutôt bien. Je suis d'accord avec toi. On peut l'accorder. Ça va. Ça va. Il est pertinent sur City Skyline. Voilà. tac, tac, tac. Où est-ce qu'on va pouvoir lire? Merci d'être passé, Brodaf. À bientôt. Chouchou. Alors, il faudrait que je garde. Un Moss, un Grail. Je suis en train de reposer un Else, donc on va prendre ce Else pour lire. On est aussi en train de reposer d'autres trucs ici. La popote de la semaine à faire, bah bon courage, Ardarine. J'espère que ça te détendra de tes tournages. Bon, là ça travaille dur là.
Et bah bon, l'urque alors du coup. Et donc toi, on a dit qu'on pouvait utiliser le couteau, qui est de type Winter, et tu passes à 13. Et on veut que tu sois à 13, hein, c'est ça? C'est ça, on veut que tu sois à 13. On veut que tu sois à 13. Alors du coup, le couteau, hop, pof. Ici, on récupère ça. Attends, le son est tellement fort que mes enceintes se mettent... est tellement faible que mes enceintes se mettent en veille, quoi. Ah, une musique pourtant, là. Ouais. C'est un peu. Donc ça, c'est fait. On a récupéré un whist pour nous aider un peu. Du coup, si on voulait faire ça, il nous faudrait 7. En utilisant cette leçon. On en a déjà un. Vendu. Il nous en faut 6 en tout, du coup. Donc il nous faut 6 sous. Ouais, c'est mort. C'est mort pour aujourd'hui. Ça ne marchera pas. On va déjà faire celui-là. Il ne nous reste pas grand-chose. Il faut qu'on travaille avec lui. Donc il nous faut un souvenir de type nectar également. Nectar 2. Et je crois que le seul nectar 2 qu'on a, pour le coup, c'est celui-là. Mais on n'a pas de livre de disponible. On n'a pas de bureau. Hein. S'il y a ce bureau-là, on pourra lire avec Whis dans ce bureau-là. Bah go. On va générer un nectar 2, hop. Comme ça, on va pouvoir discuter avec notre ami le musicien. Hop là. Donc là, on attend que les souvenirs arrivent. Ça va faire plaisir d'ouvrir ça. Parce qu'on va vraiment s'ouvrir l'entrée vraiment des souterrains. Et on va pouvoir savoir si tous les pénis qu'on jette dans le puits tombent ici. Ok, ça c'est récupéré. Ça c'est récupéré. Donc toi, on crame un billet et on t'embauche. Et toi, tu nous ouvres ça. C'est parti. Ok. Alors, vous remarquerez que là, le mec, alors c'était, on le voit plus parce qu'il a changé, mais il entertainait la taverne pour des pennies. Pas des pence. Des pennies. Donc les mecs, ils disent pence ou pennies. C'est incroyable, quoi. Franchement, ils sont ouf, hein. Ils rendent ouf, quoi. Ah, on a fini nos souvenirs, pardon. Hop. 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 Donc là, du coup, est-ce qu'on a assez? 1, 2, 3, et on a quoi? Gossip en plus? Ouais, c'est bon. Tac, 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 tac. Il nous faut la leçon, et donc il nous faut un effort de type Grail. Et on passe ça level 5. Parfait. T'es persuadé qu'on va trouver un buste au fond du puits? Ah, c'est possible, hein. C'est possible, effectivement. Ce serait cool si on trouvait plein de flottes et qu'on ait plus à s'embêter à aller tirer l'eau, mais bon, j'y crois pas trop. De toute façon, même si on trouve plein de flottes, on va la consommer à une vitesse de fou. Alors, ici, on a notre Earth Sign pour le musicien. Et après, on lui mettra un petit coup de couteau en toute intelligence et il sera prêt. Voilà. Bon. Là, je pense qu'on est complet. Est-ce que je peux travailler pour ça? Ouais, c'est vraiment la bonne aventure for pénis, quoi. Pense que pénis. Ça doit être quand c'est vraiment plusieurs pièces de un penny, donc de la monnaie. Alors que pence, c'est genre vraiment la pièce de 2 pence, quoi. La pièce de 6 pence.
Qu'est-ce qu'on va faire avec ce fait? Est-ce qu'on peut tirer de l'eau? Non. C'est du moss et du rose. À tout hasard, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Non, 12, on va pas l'improviser, clairement pas. On peut fabriquer un truc cool. Avec du rose dans un instrument, par exemple. On peut fabriquer Kufundik Parable ou Secret Threshold, ouais. Ouais. Ou faire un souvenir plus fort si on met un autre une autre memory, mais du coup, est-ce que je peux faire ça? Ouais, il faudrait que j'atteigne 10, donc ça marche pas. Ah, au pire, on nourrira une poule, hein. On va attendre de toute façon de voir ce que nous donnent les pièces, là. Hop, voilà, donc justement. Bah voilà, on a des trucs à cataloguer. Alors ça, c'est pas un buste. C'est un truc de sculpteur. Ok. Bah, plein de choses, là. Et là, plein de choses aussi. On a un verre d'arsenic juste à côté d'un verre d'armagnac. Parfait. Là, on a un buste. Gervinus von Loren. Le buste avec une quoi? Une armure. Et il a un bras, des bras en forme de clé, une clé sur la tronche. Il a l'air bien ce livre avec une grosse tête de mort là. Toward a fundamental aesthetic. Ok. Et en plus, c'est le langage qu'on a appris, c'est cool. Donc ça, c'est un livre qui est direct catalogué, quoi. Ça, c'est rare, hein. On a un petit phonographe aussi, le phonographe du gouverneur. Alors là, c'est quoi? C'est la pièce du gouverneur? Ouais, les quartiers du gouverneur, ok. Et ici, il faut atteindre 14 en Winter. Ouais, ça commence à faire, hein. Évite de te tromper de verre. Ouais, on va essayer, ouais. Ce serait ballot. Ce serait ballot. Bon, du coup, on a de nouveau quelques bouquins. Et ça, c'est du Curia, ouais. C'est du livre de base en plus, le Curia. C'est la zone toute basique. Et on a un livre déjà catalogué qu'on pourrait lire. En noc, oui, qu'on pourrait lire sans problème. On va le mettre là. Je sais pas si trouver un bouquin avec un gros crâne, un bouquin déjà catalogué en plus. Je pense que c'est peut-être le premier qu'on trouve déjà catalogué. Juste à côté, enfin dans la pièce où il y avait de l'arsenic. Moi je trouve que c'est pas hyper bon signe. Ça me paraît pas très très... hein? Allez, reviens toi. Il est l'heure de sortir le couteau. Toc, voilà, comme ça il passe à 10. Doit être un livre médical. Oui, probablement, après tout, c'était le gouverneur de la prison. C'est probablement médical. Tu vas bosser, oui! Hein, comme il disait, hein, là le truc d'entraînement, là, il fallait que les mecs soient ni trop forts ni trop faibles. Alors du coup, s'ils faisaient un petit peu trop d'entraînement, pouf, un peu d'arsenic dans le verre d'eau le soir avant de se coucher. Et on a la solution. Est-ce que je peux mettre du Winter ici? Je crois qu'ici, je vais pouvoir le garder ce souvenir. Ouais, je vais pouvoir le garder. Donc on le gardera pour demain. Et donc toi, mon cher. Ouvre-nous cette sympathique petite poule de puits. Et du coup, bah on va cataloguer avec l'autre fête. Hop, pas ça, ça. C'est parti. Et du coup, on utilisera pour la première fois une leçon pour ne pas faire un truc qui est du même leçon, je pense. Je vais aller rapidement jeter un oeil au wiki pour voir si ce truc là est particulièrement bien, parce que franchement Snow and Story là, Snow Stories, ça fait pas rêver quoi.
Non, 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 non. Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Alors, on peut s'en servir pour faire quoi? On peut s'en servir pour faire éclore un œuf de Stifling. Non, allez, on va le garder, on va le faire une nouvelle leçon. On va garder notre cap. Après tout, celui-là, il est déjà attuned, hein, donc c'est pas très grave de pas l'avoir. Si on le monte plus de niveau, c'est moins gênant, quoi. Ça nous renforce nos trucs, mais ça fait un moment qu'on se sert plus de Winter in Moon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? The Geminiad 2. Je crois qu'on en a, on a dû avoir le 1 parce qu'on en a un autre là avec un. Ah non, c'est le 3, The Geminiad 3, donc on n'a pas le 1. Le livre avec un. Une gemme dessus. Mais du coup, c'est du Fusine. Et le Fusine, malheureusement, on ne sait pas le lire. C'est bien dommage, il va falloir qu'on l'apprenne. Bon bah, je crois qu'il n'y a plus que toi qu'on attend, machin. Et demain, on change de saison, hein, donc. Du coup, on va cramer ça. Limite, c'est aussi une très bonne raison pour. Est-ce que c'est pas déjà la nuit là? Non, c'est pas la nuit encore. Ah si, c'est la nuit, carrément. Donc on sauvegarde ce souvenir-là. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un doute si ça c'était la fin de la journée ou. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Sacred Spring. Ok, un. Endroit où on pourrait éventuellement faire évoluer des trucs. Parce que là, on peut mettre des éléments of the soul. Nectar et Moon, je crois qu'on a un truc à faire avec ça. Mais du coup, il n'y a ni pénis, ni buste. C'est la déception. Ça me fait penser d'ailleurs que toi, je vais te garder. Hop. C'est la déception. Alors par contre, je crois que j'ai noté sur mes trucs. Je me demande si c'est pas toi, Drum, qui est de type Nectar. Ah mais dans tous les cas, il nous faudra un souvenir qui permette d'evolve parce que ce truc-là n'a pas d'evolve. Oula, déjà, faut réussir à cliquer dessus. Non, il n'a pas de evolve by, donc pour le moment, ça nous sert à rien. Bon, c'était vraiment le truc à débloquer pour le plaisir de le débloquer, quoi. Ici, on a une fontaine. Waouh, 14, vache. Et ici, une pièce dont le toit s'est écroulé. Forge 11, c'est clairement faisable, par contre. Il a l'air d'avoir un mécanisme avec un moteur. Un truc pour avoir de l'eau courante dans le. Dans la maison, peut-être. Bon, bah c'est parti. On va voir si on tire un humain. Ici, on est en train de. Ouais, non, on n'utilise pas de d'aspect, donc c'est bon, ils vont être rafraîchis. Hop. Une nouvelle leçon, pourquoi pas. Du coup, le souvenir qu'elle a nous servira peut-être à rien, mais bon, c'est pas grave. Alors, fin de la nuit. Donc on va direct commencer à générer des souvenirs pour ces leçons-là, comme ça même si c'est Numa, on aura un petit peu d'avance. On ne le saura si c'est Numa qu'une fois que le temps aura été tiré. Je crois que même on peut tirer d'abord un temps et après on tire Numa. Donc ici, il nous faut Forge Enoch et il nous en faut deux. Ok, ça va, ça fait largement. Tac. Oula, pardon, excusez-moi, je zoome et je dézoome n'importe comment. Là non, là non. Un forge. Il nous faut lanterne moss et forge nog. Donc on lit avec tout ce qui n'est pas
Lanterne Moss, Forge Enoch. On lit avec ça. Ensuite. Ici, on a du Forge également. Ça, c'est Enoch. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est Lanterne. Ça, c'est Forge Enoch. Ici, ça colle pas trop. Hein. C'est que des trucs qui nous intéressent. Bon, on va claquer un petit Faust tout petit. Voilà. Grail et Sky. Moon and Rose. Edge et Scale. Knock. Knock, ça c'est pas mal. Un Knock. On lit avec un Else. C'est parfait. Les Else, faut qu'on les crame. Là, normalement, on a du Lanterne. On va aller le lire là. Avec un else. Hop, ensuite ici. Earth and Sky. Scale and Sky. Moon Rose Sky. Knock ici. On va les lire là-bas. En analysant le buste, tu l'as insight gratuit. C'est vrai, t'as raison. On va l'analyser avec un Ereb, je pense. Hop. Voilà, déjà c'est lancé. On a fait toute cette étagère-là. On va attendre de voir ce qu'on tire. Donc on tire de la grêle, c'est du sky. Ça nous aide pas. Et du edge, ça nous aide pas. Bon. On récupère ça, qui nous aide pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon, on est passé au printemps. On est passé au printemps. Yearly stipends. The yearly stipend from Saruman arrived. Along with the loser, other sniffy remainers. Ah oui, si, c'est la thune. On a notre thune qui est arrivée. Très bien, ça fait plaisir. Donc c'est au printemps que ça arrive, la paye. Parfait. Et là, on va voir l'affaire des mystiques particuliers, là. Donc pas de Numa. Ça, c'est bien. Un Iron Spitria, excellent. Ah, c'est l'Iron qui me manquait dans les 5. Donc c'est Iron, c'est 1. Iron pour 1, tin pour 2, bronze pour 3, silver pour 4 et gold pour 5. Ok. Très bien. Bien, 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 bien. Du coup, moins de stress. Moins de stress, moins de stress. On va aller voir ici. Alors, non, il va nous falloir tellement de trucs. On va quand même aller voir qu'est-ce qui se balade dans la taverne. Ça nous coûte rien parce que je crois qu'on récupère même nos twopence. Hein. En vrai. Et du coup, on a tout le printemps pour faire les leçons. Ça y est, Chobiti, il est riche! Ouais, on a une livre, t'imagines? Alors, ce monsieur... C'est le 11e bibliothécaire. Un énigmatique reclus et allié contre son gré du suppression de bureau. Ok, très bien. Donc le 11e libraire. Là, c'est le 3rd. 8. 13. 11. Il faut vite dépenser le billet et se plaindre à Chobiti qu'on n'a pas été payé. J'écoute, mais je n'entends pas de réaction. Donc c'est peut-être jouable comme stratégie. Je peux faire de la monnaie dessus vite fait. Chobiti me dit « Non, non, j'entends, j'attendais juste de voir si tu le faisais. »
Attention, voilà, le petit lag des trucs prêts. Donc, un souvenir. Un souvenir. Un souvenir. Un souvenir. J'ai régénéré un on-site, donc du coup on en a perdu un, non? Ou j'ai cru voir qu'il y en avait un qui avait pas marché. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on va faire Door on Wall. Donc il nous faut un truc de type forge ou lanterne. Donc on va mettre le metal, c'est parti. Et donc après il passera level 3, il nous faut 3 souvenirs. Un forge, knock, 1, 2, on en a 2. On en a que 2. Donc il nous en faut un autre, de type forge ou knock. On a Stolen Secret et Memory Reward, donc on peut faire un salt là. On peut faire un salt. Alors on va le lire avec quoi? Un cerise, c'est parfait. Et on va aller reposer. On va prendre un verre d'eau, notre dernier verre d'eau, je crois. Ouais, notre dernier verre d'eau. On va aller se reposer. On va reposer quoi? Tant qu'à faire un truc potentiellement utile, chore. C'est parti. Et ici, dès que c'est fait, on regarde ce qu'on a. Et soit on met des skills à reposer, soit on embauche. Alors, Docteur Serena Blackwood. Elle a été bibliothécaire de Watch Hush House, tiens. Elle a été bibliothécaire de l'Invisible Serapum d'Alexandrie. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit rien, elle n'en parle pas. Mais on sait qu'elle a bossé avec la congrégation de Saint-Rouen. Ah, elle connaît le Fucine. Ah, ça va être tentant, ça. Ça va être tentant. Ça va être très tentant. Ça va être extrêmement tentant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, c'est toujours si bizarre de revenir ici. Merci encore pour m'accepter ici. Je me demande si on l'avait pas déjà vu, elle. Alors, elle voudrait de la lanterne. J'ai commencé à. Non, on m'a demandé de regarder ces mouvements du soleil. Je n'imagine pas qu'il y ait quoi que ce soit, mais je voudrais être sûr. Alors, la dernière fois en lanterne, on n'avait rien de très pertinent. On va regarder si on a de nouveau des trucs. Letter to my successor, on l'avait lu celui-là? Je l'ai pas rangé. Je l'ai pas rangé avec les revelations. Mince. En même temps, c'était plein les revelations. Bon, cela dit, ça reste un bouquin de type lanterne. Tac tac tac, tu veux surveiller les mouvements du soleil, c'est ça? Solar movement. Oui. Unmatched hymne. Le journal de Bancroft. Flower Maker. Ouais. C'est pas évident que ce soit très utile. Le Watchful Tantra saura pas le lire. Le Gospel de Nicodemus. Celui-ci, c'est ce qu'on avait donné au détective Douglas, mais ça lui avait pas aidé des masses. Là, ça c'est à propos de l'encre Ancosta Revelationa.
Moi. Les rêves mystiques des artisans, plutôt non. Donc il nous reste celui-là, qui est en fucine, hein. Et sur la Church Solar. Eh, c'est le seul langage qu'elle peut lire, et ça parle du Church Solar. Bah du coup c'est peut-être ça. Alors du coup on va laisser tomber le langage. Et on va essayer de voir si ce serait pas ça qui l'intéresse. Ah bah non. Je vais donner autre chose, mais... Non. Oh la vache, c'est pas ça quoi. Attends, j'y croyais, hein, pourtant. Le bouquin que elle seule peut lire, qui parle des trucs du soleil et tout. Bon bah tant pis, maintenant que c'est fait. Je pense pas que je peux lui mettre de... d'argent maintenant, hein. Moi un book. Bon bah tant pis, on va mettre celui-là et puis voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une nonne. Une nonne du triple note. Qui pourrait faire du moon. Alors moon, on a deux. Hein. C'est pas ouf. Hein. Il faudrait qu'on atteigne 12 de moon. Ouais. Ouais, sinon il y a Nock, mais si on veut faire du Nock, on a le recteur qui coûte deux fois moins cher. Et si on veut faire du Grail, on a la Mrs. Kale qui coûte absolument rien. Donc bah désolé, toi non, on va pas te... Fais ton pèlerinage si tu veux, on t'accueille, pas de soucis, mais... Mais on te... t'embauche pas. Je suis un peu déçu par le bouquin, j'avoue là. C'est tellement compliqué de savoir de quoi ils veulent parler. Ça, on en a que deux. On attend d'en générer un autre. Allez. Donc là, normalement, on a notre petit souvenir pour toi. Tac, tac. Celui-là, celui-là. Et en effort, il nous faut du knock. Hop, voilà. On passe ça level 4. Après, c'est Link of Revelation, donc il nous faut 5 souvenirs. Pour le moment, on en a que 2. Et il nous faut du Moss ou du Lanterne. Donc, on peut faire déjà un Impulse. Ça sera déjà ça de prix. Moss ou lanterne, ça c'est du Cheerful Ditty partout. Tiens, j'ai pas écrit pareil. Cheerful Ditty, ah j'oublie un L, bon, c'est pas très grave. Earth and Sky, un Revelation. On peut lire avec un chap par exemple qui nous sert plus pour le moment. Forgotten Knock, non. Skull and Winter, non. Edge and Moon, non. Knock and Moon, non. Je crois que le Impulse, c'est le seul souvenir qu'on a de type Moss en vrai. Knock, Moon, Winter non plus. Hop là, raté. Lanterne. On va le lire avec ça. Moon, Rose, Grail, Scale, Forge, Winter. Ah putain, oui, t'as raison, j'en ai déjà. Je l'ai déjà. C'est pareil, le insight, je l'ai déjà du coup. Je crois que je l'ai régénéré. Aïe aïe, pas concentré. Mais du coup, je suis en train de me dire qu'on a peut-être pas assez foresight, j'ai pas. C'est foresight que j'ai pas. Zout. Bon, c'est pas
pas hyper grave. On a un peu utilisé des souls, mais on est moins dans le rush là, donc ça me dérange moins. On va utiliser le R-Reb. Du coup, je suis même pas sûr qu'on va réussir à en avoir assez. Bon, on va peut-être en avoir assez pour se souvenir le niveau là, mais les autres d'après. Du coup, elle nous a filé un bronze, voilà, un bronze à 2. C'est la tristesse. J'y croyais très fort, mais non. Ça ne passe pas. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avec toi, on va faire récupérer une fleur à la con, là. Il y en a là, normalement. Hop. On va faire de la préparation de Solomon d'avance. Parce que clairement, il va y avoir du Winter, là, pour la prison. Hop là, ça c'est récupéré. Ça c'est level 4. Alors, est-ce qu'on veut dépenser de l'argent pour ça? Cinq souvenirs. Un. Deux. Deux, deux, deux. Trois. Quatre avec le Moss. Cinq avec le Sight. Donc on fera pas plus en fait. On fera pas plus, sauf si peut-être on a un souvenir intéressant de ce type-là dans le puits ou un truc du genre. On a quoi? On a Earth, Edge Winter, Grail and Earth. On n'a pas. On est coincé au level 6 avec celui-là du coup. C'est con ça. Ou alors il faut qu'on utilise une des leçons comme souvenir. Ça fait partie des possibilités. Pardon. Et du coup, un petit Faust, et on est parti. On peut utiliser que des souvenirs, hein, pas des outils ou autre, je crois. Faut que je vérifie, mais je suis quasiment sûr qu'on peut utiliser que des souvenirs. Bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors après, si, on peut attendre de tomber sur un soleil, un truc du style, pour en avoir un de plus. En quel cas, il faudra qu'on se jette sur l'occasion. Et au printemps, donc c'est possible qu'on ait du soleil. Hein. Edge 3, il n'y avait rien d'intéressant en Edge. Hein. Et dans les trucs qu'on a là à lire... Pas de edge et y a rien de hyper compliqué. On pourrait clairement les faire direct. Ça, c'est encore un film de Hazel Bischoff, celui-là. Widely Derided. Hein, il a fait un truc super joyeux comme son dernier film. Je suis sûr que ça va être super cool. Bah du coup on va cataloguer, allez, pour la fin de journée, c'est parti. On va mettre un chapt ici. Ici un Faust. Ici on va mettre un Else.
Et enfin, un fait, il faudrait qu'on le mette là pour avoir du moon. C'est pas du moon ça? Ah non, c'est du rose, pardon. Il faudrait qu'on le mette tout là-haut. Ici, on vise bien. Hop. J'attends avec impatience le sujet de ce film. Aïe. Là, c'est quand même une bonne raison de les utiliser sur d'autres leçons. Bah, on sait qu'il y en a au moins une. On pourra avoir un soleil, donc on pourra passer level 6. Mais level 7, pour le moment, ça me paraît tendu. Après, on peut toujours trouver de nouveaux souvenirs, hein, mais je pense qu'on a quand même bien fait le tour sur les souvenirs. Hein. Enfin, on devrait trouver des omens, à un moment, normalement. Il y a d'autres omens que ceux-là, j'espère, que celui-là. Pareil, dans les souvenirs qu'on peut crafter, il y a peut-être moyen. Bon après, en vrai, il est déjà à tune ce truc, il nous donne de la lanterne et du moss, c'est pas ce qui nous sert le plus. Ce qui me surprend, c'est qu'on a trouvé qu'un seul souvenir de type moss, surtout. Et ça, ça sent l'arnaque. On a catalogué. Alors, ça c'est quoi? 12 de nectar, hein. Pas simple. Pas simple, pas simple. 6 de lanterne, bah carrément faisable par contre. Ah, un phonographe en vac. Putain, c'est qui ces vac qui enregistrent des trucs, des musiques là hein. Et là, un tantra en sanskrit. On sait lire le sanskrit. Parchemin, un livre avec une seule très longue page. Donc ça, on sait le lire, et en plus, c'est du forge 8, donc ça va. Donc du coup, en gros, ça, faut qu'on le range. Et ça, faut qu'on le range. 12 de nectar, je pense pas que ce soit possible. Et du coup, nos étagères à lire sont pleins. Et du coup, bah, on va les lire. Hein. Allez, hop, on passe. Vitesse 4. Terminer la journée. Ah, qu'est-ce qui nous restait en cours? Ah oui, la Solomon Preparation, c'est vrai. Hop, on va aller la remettre à la cuisine. D'ailleurs, il nous faudrait de l'eau aussi. Et qu'on se fasse peut-être une petite journée, ramassage de trucs sur la plage, aller chercher de l'eau, etc. Bon. Après, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour monter autre chose du coup, comme tu disais? On pourrait l'utiliser pour monter ça. Éventuellement. Pour monter ça. Ouais. Et en lanterne. On pourrait monter ça. Mais c'est à tune déjà. Ça, mais c'est à tune. Ça, c'est à tune. On pourrait le monter, on pourrait l'utiliser pour monter les langages. On peut améliorer les langages pour pouvoir les mettre dans l'arbre, même si ça n'apporte rien. Ils peuvent pas servir techniquement. Est-ce que toi, je peux pas te mettre quelque part un bosque et préservation? Et si je peux te mettre là, hein. On t'a débloqué là. Si te mettre là d'ailleurs, alors du coup tu donnerais quoi? Là, tu donnes un chore, et là, tu donnes un else. Un chore, c'est bien. Hein. Hop. C'est parti. Du coup, on a un chore. Deux disponibles. Juste avant la fin de la journée. On a pu en cataloguer. On va chercher de l'eau. C'est parti. Bon, il va pas terminer, hein, mais voilà. Au moins... il sera utilisé. Du coup, ça nous fait d'ailleurs un deuxième chore. On pourra peut-être faire un chore plus et peut-être même un chore plus plus. On n'est pas à l'abri. Les autres trucs qu'on a montés, c'était quoi? Celui-là, on l'a mis du coup. Celui-là, on l'a mis. Celui-là, Aromachistry et Nictorodromy. Aromachistry, il nous faudra du level 5.
Nyctodromie, il nous faudra du level 4. Oui, mais on a toujours le level 7 ici. Alors, est-ce que c'est intéressant si je le mets? On obtient quoi? Un shaft. Non, j'avais déjà regardé, je crois. Et le reste qu'on a monté, c'est tout. C'est ça, on a monté ça. On a amélioré ça, mais c'était déjà à tune. Ouais, tout ce qui est un peu élevé, c'est déjà à tune. Il y a celui-là, mais bon, level 3, c'est trop bas. Je crois que c'est dans Bosque et Préservation, donc c'est trop bas. C'est quoi ce petit truc? Art Unregarded. Ok. Night Art, Bright Art. Ok, très bien. C'est la classification des arts. Tac. Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !